Ah stop, t'es à 10 cm là. Ça va, ça va. Ah là, c'est bon, hein. Tu vas avancer un petit peu en faisant ça. Nous voici sur l'oiseau de passage. Nous allons en Corse, nous préparons notre voyage pour ramener du vin et du miel. Voilà, donc je vais faire une petite présentation de l'équipage. En premier lieu, Camille. Alors, Camille, ça va? Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, j'ai réfléchi à comment on pourrait répartir les quarts pour la nuit. Donc, on est 5. On a dit qu'on faisait des quarts de 3 heures. Donc, ça fait 3 fois 5, 15. 15 quarts, c'est un peu comme les 3-8. Donc, c'est une mesure en 3-8. C'est 5 mesures en 3-8. Alors, attends, on va essayer pour voir. Donc, ça fait à 21h, Mathieu. À 22h30, Rainer. À minuit, François. 7h30, Camille. Ok. Et 9h, super, François. Super, merci Camille. Écoute, c'est à peu près notre route là. J'ai essayé de faire une route qui soit la plus cool pour l'équipage. Là, pour le début du voyage, on va arriver dans les unités intrusives des granites herciniens de l'ouest de la Corse là. Donc ça va être une nave assez simple, hein. Tu vois, il y aura très peu de creux. On va avancer dans des granites ou des granitoïdes. Il faudra juste faire attention à ces intrusions calco-alcalines là qui vont larder tout le paysage. Puis, avec les métabasites, ça va être peut-être un petit peu plus sportif. Mais enfin, ça s'annonce bien. Hein. Ok, bon, Il faudra coacher François, il faudrait que voilà qu'il pense un petit peu au réglage, qu'il soit prêt ici là, qu'il okay. Prépare les voiles ici pour un temps un petit peu bon. Plus agité. Il je est sais où pas, François, je sais pas, ça fait un moment qu'il a disparu, il doit faire les réglages. François. Oui. Ah, il est. Oui, je suis au petit coin. Ah, super. Voilà. Alors, bon, excuse-nous. Oui, bah, t'as vu avec la nave Oui, on a fait. Alors écoute, moi j'ai fait les pré-réglages. Alors on va vérifier quand même que ça se passe bien. Ah, je crois qu'il y a un truc. Non, attends, je vais border le grand mi. Parce que là, je crois qu'il y a un petit souci de. Hop là. Ah ouais, non, ça a bougé. Ok, là, je pense que c'est bon, on est pas mal. Hop, hop, attends, je choque un peu le sol. Cool, ouais, on est bon. Ok, là. Bon, super. Faudrait que tu te prépares à tirer des riz sur les raies. Hein, ok. Et Rainer, il fait quoi? Il est revenu ou quoi? Rainer, il est à l'extérieur, il s'apprête à démarrer là. Okay. Rainer, on va démarrer le moteur. Hey. On démarre le moteur, mais. Okay. Tu fais quoi? Alors, c'est un mooie Oost-Noord-Oost, weet je. Ik denk, we gaan vers weg. En het is 7-8. Ik denk dat als we op deze manier doorgaan, dan zijn we morgenavond voor het eten thuis. Ja, parti. 7-8. We doen 7-8 knopen. Het uitschiet is dan 9-10. En Paul West, 72 ongeveer. Dus ik denk dat kan ik niet laten liggen.
Dus ik heb jullie maar laten slapen. Ik denk, gaaf, hè? Jullie worden vanzelf wel wakker. En dan, maar goed, kijk, weet je, Paul West daar en morgenavond zijn we in Marseille, man. Hey! Nous voici donc partis à l'insu de notre plein gré. Vers des aventures improbables et je pense qu'ils ne manqueront pas de rebondissements. Voilà. Oh bah super! T'as vu la nave avec Emily? Ça va? C'est l'assistant du 102. We'll be right back.
C'est bien quand même, non, comme environnement de travail. Mythique. Par rapport. Non, tu vois, ces appellations. Tu montes la vallée du Rhône, là, tu vois, ces appellations mythiques avec Autretier et tout, et t'as des putains d'autoroutes en bas, avec les. Les camions, les usines chimiques. Les, voilà, tout, le Rhône et tout, malheureusement et tout. Ouais, putain, vrai, les mecs sont en train de tailler, enfin, ils essayent de. Ils entendent pas les Milan comme ça. Ouais. Ah putain, une vue à 360, oui, magnifique. Ça. Là on va marcher, tu vois, on va traverser cette zone, tu vas voir comment le fumier, ça a apporté de la vie au sol. Tout va bien. Quoi. Oui, les bois sont beaux, sont généreux, il n'y a pas de carence, il n'y a pas de maladie. Oh, je vais pas soigner quelqu'un qui est pas malade. Hein. Et la magie du vin, c'est vraiment la transformation du raisin. Ce goût qui en plus va être porté dans le temps. Qu'est-ce qui se passe au fond d'un océan? Et ben, il y a des mélanges à la fois de roches volcaniques vertes, ce cas-là, et puis il y a les calcaires qui sont en train de se former au fond de l'océan, et ça fait ce qu'on appelle les brèches océaniques. Il y a ça au sommet des Alpes, là-bas, il y a une autre ophiolite, et puis il y a ça ici en Corse. C'est ce qu'on a actuellement en formation au niveau de la rive médio-océanique. Ça, c'est des calcaires qui sont des calcaires de chimiques, quoi, par dissolution des carbonates marins. Mmh. Et puis ça, c'est les roches volcaniques. Et tout ça se mélange au fond de l'océan sous forme un peu de pâte. Ça fait une brèche océanique. Mais ça aussi, ça vient de l'Est. Hein. Alors par des mouvements d'eau, comme tu dis, le truc des galets roulés ou je ne sais quoi. Mais c'est plus récent que ce que tu as là. Et ça, c'est quoi, là? C'est un poireau. Ça, c'est le repas de ce soir. Un hectare de vermentino et un hectare de nilo. Super. Bon, ben merci. Ben, de rien. Si tu as d'autres questions, sinon on va boire la cave. Il y a cette dimension de transformer le produit et de pouvoir le partager, le faire voyager. L'oxyde de carbone et l'hydrogène sulfuré. En un mot, l'oxygène brûle. Et l'oxyde transforme radicalement les minéraux présents dans le sol, fer, soufre, uranium et manganèse, en hématite, pyrite, uranium et oxyde de manganèse. On a une abeille ici qui produit 3 fois moins en moyenne que la Buckfast. 3 fois moins en moyenne. Donc c'est vrai que le boulot est pas le même du tout, déjà. Et quel est l'intérêt de la garder, du coup? Elle est rustique. Quelque part, elle est rustique, elle est adaptée à son territoire. Il est aussi prouvé que comme elle a une langue plus longue que d'autres races d'abeilles, et ben, c'est aussi pour ça qu'elle est particulièrement adaptée au territoire. Il y a certaines fleurs où d'autres races d'abeilles ne pourraient pas aller. Et pour la mielée d'arbousier, par exemple, elle est particulièrement adaptée parce que la clochette de l'arbousier est trop profonde pour sa langue, donc elle va prendre un moment pour percer le pétale et accéder au nectar. La chance qu'on a quelque part, c'est que c'est vraiment une île dans la mer, donc il y a donc différents étages au niveau de la végétation, et ça, on peut vraiment jouer là-dessus. Commencer en littoral au mois de mars, remonter légèrement après, et pour arriver un peu au pic avec le maquis d'été, avec des miels qui ne se font que au-dessus de 1000 mètres d'altitude, sur l'antilis, le thym,
l'herbe à barreaux. Tu peux jamais prévoir. Et c'est vrai qu'un maraîcher peut toujours arroser ses plantes, tu peux toujours donner du fourrage à tes bêtes. Quand l'apiculture, tu es alors tributaire de d'infimes petits détails comme ça. Ouais, ouais. On n'a pas arrosé la voie, c'est Donc, nous voici dans l'antre de la petite exploitation familiale, puisqu'on a un papiculteur qui est en train de mettre en pot. Alors. Bonjour. Salut. Oh, mais t'as la veste de marin. Le capitaine. Et ouais, voilà, c'est notre capitaine. Nous savions. On est éleveur, donc... on a des taux de mortalité hivernale qui sont en dessous des 5%. Donc il y a des exploitations sur le continent qui sont des fois entre 30 et 40% de pertes hivernales. Nous, le territoire, il est archi sauvage. On est mis à part sur pour le miel de clémentinier. On va dans des coins qui sont exemple de toute agriculture. On va donc faire pour le printemps du littoral et le maquis de printemps. Après, il s'en fait du très bon dans les Cévennes, en Isère. Ouais, pas pareil que celui des Tisane. Tisane. Yep. On va tout ça. Thank you.
Olha aí, benga.